Et salut à tous, c'est Tito en fait, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale League. Dernier jour de la spéciale League, guys, donc c'est le moment pour moi d'essayer de safe mon rang G3. Est-ce que je vais y arriver, oui ou non? Eh bien, vous allez le voir pour cette vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça aide au développement de la chaîne. Et c'est parti les petits potes. Ça a pris ban Shisuka également. Du coup, on a le first pick Oliver. Réponse classique, nous on va prendre Pra. Une réponse classique également. Et on prend encore deuxième. On prend CP ou pas? On peut prendre Anana. On va partir là-dessus. Yeonhung, c'est un peu pourri là, non? Je banne juste ça, non? Vas-y. Et quoi, il se passe quoi là? Son Gurkha solo là, vraiment? Genre là, t'es en train de me dire que son Gurkha va me solo. Wesh, impossible. Le problème, c'est qu'on a pas de mobile d'espère, vraiment. Pas mal. Pas mal là, ce qui se passe là. Ah merde, on le réveille. Alors, le truc c'est que là, le Dominique est menaçant quand même. Oh. Surtout si ça se passe comme ça. Ok. Oh, après ban Verdil, ça va jouer du Mour CP ça. Ok. Vas-y, on va faire ça. Hein. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. On prend de robot vent là, non? Non, on prend d'Oliver, je pense. Là, vu sa draft, on banne Sekhmet si son aspect c'est de la merde comme le reste de sa draft. Et on prend Oliver. Oh, je suis toxique! Wow, là, je rigolais! Ok, bah, du coup, on fait ce que j'ai à te dire. Même si ça gagne attentif, normalement, on devrait au speed, hein, non? Bon, on va voir, hein. Faudrait qu'il a sa guerre à plus 310 pour mon speed. Pas enfin, plus 210 sur son set, un peu plus. Ouais. Il va contrôler qui? Je crois pas, j'imagine. Ouais, bah s'il le veut, mais il le veut pas apparemment. Moi, je vais faire ça. Ah non, je suis con. Pourquoi j'ai fait ça? Il peut me sonner là. Ah non, c'est bon, c'est pour rire. Ok, guys, c'est bon. Eh oh, après, je mérite, non? Oh, c'est bon, les gars. Stop maintenant. Il pose rien du tout. Il pose rien. Il joue mal et il pose rien. Ouais, ça me met giga bien. Faire ça. Ah. Prendre le robot vent. Non, on va prendre le robot vent, on va prendre le robot feu, c'est encore mieux. Ça également. Il banne les gangs s'il fait ça. Donc là, il banne les gangs. Je loot speed. Je fais mon skill 2. Il revient avec son Verdil, il peut faire skill 3 et j'ai perdu. C'est ça? Oh putain, ça va être ça les gars. Donc on est au speed, on fait le skill 2, le Verdil revenge, et on perd comme ça. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Au moins, je vous avais prévenu. C'est le plus important.
Bah, bien joué. T'es meilleur que moi, écoute, qu'est-ce que je te dise. Il y a eu toutes les bonnes RNG possibles. Murdoch, ouais, hein, il était meilleur. Hein. Bon, bah, bien joué à lui, hein. Il était chaud. Hein. Ah, c'est vraiment un good gamer, quoi. Là, au niveau du good gaming, il est assez high, quoi. Ah, je sers ça. Eh bah, il va avoir un glancing sur la tête, on va voir combien de crit il va pouvoir me balancer avec un glancing sur la tête, quoi. Il fait skill 2, proc skill 3? Il fait skill 2, proc skill 3? Non. Lentilles, comme ça je peux tuer avec le Ragdoll. Ouais, vraiment mes poids. Attendez, contre Scribble, Scribble il joue quoi? Ça va? Ah, il joue Shan? Oh, on aurait dû pré-ban Shan alors. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'ai une strat, on va jouer Carlos. J'ai une strat guide, on va jouer Carlos. Oh. Dit, ouais, je le sais, mais. Oulena? Le robot d'arc, on sait qu'il est squishy, du coup, si je. S'il fait son skill 2 ou quoi, Diana et Mourcut, je peux tuer le robot. Instant. Et derrière, on a une Masha qui solo. Après, le Shan va être casse-couille parce que le Shan va stun ma Masha. Je pense que je vais juste ban la. Le Shan, là, ici. Ma question c'est est-ce qu'on va jouer une fois quoi? Parce que là il y a trop de réduc ATB. Là il y a trop de réduc ATB pour que mon ma CM serve à quelque chose. Écoutez, on va voir. Je pense qu'on va se faire allumer, mais bon. Et si on avait un Dominique ici, ça aurait été tellement mieux. Vous imaginez si on avait un Dominique ici? Est-ce qu'on a désynchronisé? Si on a désynchronisé le shampoing avec la shot, c'est incroyable. Hein. Ah, Procter, c'est incroyable aussi. Yo, Malp, tu vas bien? Oh, les assassins désynchronisés, incroyable. Ça, c'est incroyable. Hein. D'où résistance, c'est quoi ça? Y a une résistance là. Je fais quoi là à côté? Je prends un machin. En vrai, machin est chiante pour lui. Pas d'Ragdoll. Ok, là par contre, c'est plus compliqué parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il va cut. Je vais cut après le Moor. Et après, normalement, Moor joue et je cut. Et je peux peut-être stun Despair. Mais bon, ça va dépendre. S'il me stun Despair, par contre, c'est la merde avec son Moor. Ah mais son Moor et son anti un anti Ragdoll, putain je suis con.
Ah, il m'a désynchronisé. Il m'a redit ATB ici. Putain, il m'a désynchronisé. Il a réussi à me réduire ATB ici. Il a réussi à me strip réduire ATB sur le shampoing. Incroyable. Il a été magistral là. Parce que là, normalement, je fais skill 2, je mets des glancing sur tout le monde ou des stun despair et c'est fini. En fait, il fait rien du tout. Hein. Et là, il a réussi à me strip, genre premier ou deuxième hit, plus à me réduire ATB de shampoing. Et les mots posés. C'est juste lucky. C'est juste lucky. Ah, c'est perdu, hein. On est dans une étrate de l'infini là. Oh, proc. Ah, dommage qu'on joue pas là. Dommage, là, c'était normalement, c'est gagné ici à nouveau. Prendre ma chamour, meilleure réponse à ça. Après, le problème, c'est à nouveau, hein, sur mon compte, ça, contre les Giana, c'est la merde. Oula. Comment on fait, là, les gars? C'est chaud, ça. Ok. Je pense qu'on la perd à la draft. Parce qu'en fait, on va jamais réussir à mettre de breakdev sur ce Gurkha. Et Molly Gurkha, c'est intombable. Oh, emote speed, non. Stun pas, bro. Oh, il joue avant. Putain, il est fast, hein. Par contre, il fait un misplay. Oh, on a... Quoi? Ah, on a glancing. Oh, si on aurait stun ça, c'était gagné. Là, pour qu'on la perde. Après, on met l'antil, hein. On a l'antil, c'est pas mal, hein. Oh. Pour mettre cette antille. Oh non. Ah, après, on est sûr de stun maintenant. C'est déjà ça. En fait, oh, on a mis crit. En fait, on a mis crit à cette catastrophe, sinon on avait gagné. Oh, vas-y, arrête de proc! Putain! Mais cette antille! En fait, il a pas son dress parce qu'il est rapide. Merci, Vaga, pour le follow. On se fait allumer, les gars, on n'a pas de chance là. Il a pas son dress. Ok, c'est bon, c'est passé. En fait, il le joue mal, son Gurkha. Il l'a mal ruiné. Il l'a trop mal ruiné, son Gurkha. Pour la méta actuelle, c'est pas du tout adapté. Ça dégage, c'est ça. En fait, je vous explique, la méta actuelle, qu'est-ce qui baise un Gurkha? C'est les breakdef et les antilles. Donc, de majoritairement, les deux meubles les plus pétés de la méta en bruiseur, c'est-à-dire Macha et Dominic. J'ai les deux dans la draft. Le mec, il jouerait son mob avec 30-40 de speed de moins, sans draise,
En fait, jamais je pose mes debuffs, parce que Masha et Dominique, vous mettez pas d'AQ sur ces mobs-là. Genre 16 AQ, 14 AQ, je pose jamais mes breakdeaths, mes debuffs, et Gurkha juste solo, tu vois. Mais le mec a décidé de mettre un set à 280 de speed dessus, un truc du style, et du coup, il prend tous les debuffs, parce qu'il a pas son dread, et les squishy. Je pense qu'il y a Janna, ce mec-là. Janna, Yonang, des trucs comme ça. Je suis pas certain, mais je crois. First pick Oliver, normalement, ouais. Ouais, ça a Janna. 100% il y a Janna, là, dans l'histoire. Ok, je vais faire ça pour l'instant. Normalement, le robot devrait cut après sa Janna. Oh putain, elle est vraiment rapide. Hein. Je n'en suis pas certain en fait. Là, il est vraiment rapide. Après, s'il met une bombe, il me fait jouer mon robot. Oh putain, il fait n'importe quoi. Bon bah, nice, on a gagné, hein, normalement. Ah mais je rejoue. Merde. J'ai absorbé tellement d'ATB. Le seul problème c'est ça quoi. Si on apparaît d'être ça, ça peut être chiant quoi. Alors Vio. Je suis mort. Après ça sert à rien. Oh putain, abuse aussi. 12 un peu mais j'ai reset. Là, on peut réabsorber la TB. Ok, guys. On va lui ban ça, on est bien là. Robot feu wood speed et robot feu counter cette compo là en fait. Le E-Gang aussi. Ah, évidemment. Lui, il arrête pas de vouloir le sac les gens, il me saoule. Non, je vais pas prendre de robot vent. Je vais juste prendre de robot feu, en fait. J'aurais pu partir sur le double mob O aussi à la place, ici. Mais bon. Il a pas son verdier, du coup, son deuxième plan s'intéresse. Il régale à ce mec quand même. Hein. Et il est haut. Hein. Et il est haut. Alors, évidemment, Proc T1, on rate le glancing là-dessus. Il me réduit la TB, du coup, là, il me jockette pas. Non, mais c'est bien. Très très bien. Ok, un triple Sun Despair. Il reproc violent encore une fois. Enfin, reproc son truc, pardon. Alors, je pense que ça, on l'a pas reset, du coup, on va le reset. Il reproc encore une fois. Il reproc encore une fois. Il proc violent. Reset de tour.
misplay, mais proc violent. Parce que là, c'est ça, la menace à le robot feu. Si tu es le robot feu, il pouvait gagner. Hein. Voilà les petits potes, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao ciao les potes, c'est Tito.